suis pile poil à 15-7. Quand il a appris qu'un CFC de qualiticiens en microtechnique allait voir le jour, Joao a immédiatement voulu faire partie de l'aventure. Il est actuellement en deuxième année d'apprentissage dans une entreprise horlogère. En tant que qualiticien, moi ce que j'aime, c'est partir d'une pièce, la contrôler et voir qu'elle est parfaite. Et du coup, pouvoir la donner ensuite à quelqu'un qui se dise ils ont fait un bon boulot. Les apprentis sont en partie formés à l'école, au CFPT, pour apprendre les bases du métier. La qualité, en fait, c'est savoir déjà contrôler une pièce au niveau esthétique, dimensionnel, et pouvoir ensuite, s'il y a des problèmes, pouvoir les résoudre. Si c'est le problème d'une machine, des outils qui font des cotes qui ne sont pas ce qu'on veut, nous, on va essayer de résoudre ces problèmes et pouvoir garantir une pièce conforme. Mais les tâches du qualiticien ne s'arrêtent pas au simple contrôle. Il s'agit d'un poste clé pour proposer des solutions et des améliorations pour les différents process de fabrication. Par exemple, les Lego il y a 10 ans, pour les cotes, en fait, on avait une précision de 6 centièmes, ce qui est le diamètre d'un cheveu. Et 10 ans plus tard, avec l'amélioration et la communication entre les collègues, Lego arrive maintenant à avoir une précision de 3 centièmes grâce à l'amélioration continue. Et la communication entre collègues, ils ont réussi à être plus précis de moitié. Si Joao est formé au sein d'une entreprise horlogère, les débouchés ne se limitent pas à ce domaine. On trouve des qualiticiens dans le secteur de la robotique, de l'électronique, mais aussi dans l'aéronautique ou l'instrumentation médicale. Nous, en tant que qualiticiens, on ne va pas toujours faire la même chose. On va recevoir des pièces différentes, on va faire des contrôles différents. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Après les 4 ans de CFC, les possibilités de perfectionnement sont nombreuses. Brevet fédéral, diplôme de technicien dans une école supérieure ou encore bachelor en HES sont envisageables.